Bonjour à tous, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Malheureusement, ce ne sera pas à la JRC comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, parce que on avait deux membres de l'équipe qui ont eu un désistement. Donc ici, fin de cette semaine passée, et la JRC, c'est déjà ici à partir du jeudi. Donc on a essayé de trouver des gens pour les remplacer, parce que c'était deux personnes de l'équipe qui sont manquantes. Mais évidemment, on n'a pas trouvé une semaine juste avant, c'est quand même assez compliqué de trouver. Donc voilà, on a dû déclarer forfait parce que les équipes doivent être complètes pour pouvoir participer à la JRC. Et donc voilà. Donc moi ici, je pars de nouveau en Meuse. Je suis ici en Meuse française toujours. Encore un nouveau spot que je teste. Ici pour le moment, j'aime bien essayer à chaque fois de tester tous des nouveaux petits endroits. Donc ici, nouveau endroit, on verra un peu ce que ça donne. Ici, je ne sais pas si vous allez avoir la différence, je suis en train de filmer avec une GoPro. J'espère que la qualité image, ça j'en doute pas, sera bonne. Mais j'espère que la qualité de l'audio surtout soit bonne. Parce que je sais bien que les micros, c'est pas forcément leur fort. Mais donc voilà, on verra ici ce que vous en pensez. Donc vous mettrez en commentaire si c'est mieux par GSM ou GoPro, et donc voilà, on essaiera de faire au mieux. Donc ici, pour faire un petit topo, il est midi 45, je suis arrivé ici vers 10h30, le temps de tout monter. Ici, les trois cannes pêche, il y a une canne que j'ai trouvé, une fosse où en fait tout est plat à 3,50 m. J'ai trouvé une fosse qui fait 5,5 m, 6 m, parce que je fais à la canne à sonder, donc à la canne à marqueur. Et voilà, ici ça m'indique 5,5 m, 6 m environ. J'ai déposé la canne, ça m'a même pas 10 minutes. J'ai eu un départ, petit départ, évidemment c'était un chevesne. Donc j'espère que les chevesnes ne sont pas sur la zone, ou sinon je pense que je vais faire quasiment que ça, et c'est pas le but recherché. Ici c'est vraiment, comme vous savez, c'est la carpe. Et donc voilà, donc on va voir un petit peu la suite en espérant avoir juste de la carpe. Et... bon. Après un chevesne, c'est pas encore ce qu'on cherche, mais un beau petit barbeau. Je n'ai encore jamais fait. Et ouais, honnêtement, ça fait un très très beau départ. Ça fait un très très beau départ. Sympathique petit poisson. C'est cool, franchement. Allez, on va leur mettre à l'eau. Voilà, résumé de la première journée. Beaucoup de blanc, c'est-à-dire que j'ai fait un barbeau, trois chevesnes, une brème. Donc après, je me dis que l'activité du blanc peut attirer la carpe, du moins je l'espère. Ici, j'ai quand même pas mal de petits bips incessants. Donc c'est au niveau de l'amorçage, sur mon neige tout autour, donc ça travaille, ça tourne, il y a du poisson. Ici, j'ai juste décalé une canne de l'os que j'avais mis de base. Un peu plus haut, ici, il y avait une sortie d'égout. Je me dis que ça peut être pas mal, donc j'ai décalé là-bas ici pour la nuit, on verra bien. Et par contre, j'ai une poisse phénoménale pour cette session. J'ai pris une momone de gaz style français, donc avec un détendeur Eclipse, pour pouvoir cuisiner. Pas moyen de trouver de détendeur dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'ai un ami bien gentil qui m'en a apporté un. Là, j'ai voulu me faire à manger et le détendeur déconne, donc je ne sais pas l'utiliser pour me faire à manger. Donc ce soir, je vais souper un apéro, en fait, tout simplement. Et demain la journée, je vais essayer de regarder. Et si pas, je vais essayer de contacter quelqu'un qui pourra m'en amener. De plus, heureusement, ma femme est bien gentille. Parce qu'arrivé ici, j'ai oublié tout ce qui était poêle et casserole. Donc bien gentiment, elle m'a l'apporté. Enfin bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Voilà, on espère que pour la nuit ici, ça va donner. On est quand même là pour 4 jours.
Premier jour, on a quand même fait déjà quelques poissons, même si c'est pas le poisson voulu, mais se dire qu'il y a quand même du travail sur la zone. Donc on espère que ça va rentrer et croisez les doigts. Magnifique. Finissais à peine de vous dire que j'ai déplacé une canne pour la mettre à la sortie d'égout qui est là-bas plus haut, qu'elle m'a fait une déroule de l'espace. C'était une super déroule, ça. Top, vraiment top. Je suis arrivé dessus, j'ai pris des tombes en contact. J'ai senti vraiment les coups de tête, ça a parti. J'ai mouliné et là, vraiment une drôle de sensation. Des coups de tête, mais je veux dire freiné. Il y avait quelque chose qui bloquait. Donc, dans la précipitation, j'ai continué de mouliner, j'ai avancé en courant vers là où j'avais déposé ma canne. Et en fait, le fil était passé dans un obstacle qui est sous l'eau. Je vois pas ce qui se passe sous l'eau. Donc mon fil était pris dans quelque chose et en fait elle a pris, elle est repartie dans un autre sens. J'ai réussi à défaire et là je suis vraiment reparti contact 100% avec le poisson, top. Vraiment top, mais évidemment la canne se trouve à 50 mètres sur la gauche, l'épuisette était juste ici. Donc ramener le poisson de là-bas jusqu'ici, j'avais peur franchement d'une décroche. Mais après si on garde attention tout le temps, en revenant doucement, ça a été nickel quoi. Un très beau poisson. Donc, je suis super content. Là, ici, il va être 22 h. C'est le premier jour, ça démarre super bien. J'espère que les 4 jours comme ça vont continuer. Et puis voilà, on verra. Sourire. Une bonne petite nuit. Donc après le poisson d'hier, 5 minutes après, enfin j'ai cassé parce qu'en fait je pêche dans la fosse comme je vous ai expliqué. En fait, elle est remplie de cailloux. Malheureusement, j'ai plus d'arraché, donc je suis vraiment juste en nylon et ben ça a cassé. Donc voilà. Donc j'ai reposé toute la canne et je pense que 1 heure après, la même canne que la première où j'ai fait le fish redémarre. Touche retour cette fois-ci. Je prends contact avec le poisson et j'ai de nouveau une belle miroir à vous présenter. Donc là ici pour le moment elle est en sac de conservation. Parce que je me suis rendu compte que hier soir bah, les images n'étaient pas ouf même malgré le spot pour pouvoir essayer de faire quelque chose de bien. Mais donc là ici elle est en sac, je vais vous la présenter après. Elle est légèrement plus grosse que la première. Mais waouh, je suis hyper content, c'est des beaux poissons. En l'espace de 2 heures, je fais 2 fiches. Top. Vraiment top. Ici après le restant de la nuit a été très très calme. J'ai même pas eu un bip ou autre. Mais voilà, donc ici deuxième jour, au matin, on va tout recaler et on espère pouvoir toucher encore dans la journée.
Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui matin, on est mercredi. J'ai pas fait de vidéo avant parce que pas lieu, parce que j'ai pas eu de poisson ou autre. Ici la nuit était assez calme. J'ai eu quelques petits bips intempestifs, mais vraiment juste un bip, deux bips, pas plus. Un petit retour, mais sans continuité. Je pense que j'ai attiré un banc de blanc en fait sur le spot où j'avais fait mes deux cartes précédemment. Ici, je vais laisser. Désolé, j'ai cru que j'avais un départ. Je vais laisser donc ma canne qui m'a permis d'attraper les deux cartes sur le même spot là où elle était. Par contre, les deux autres, je vais les déplacer. Donc celle qui était dans la fosse. Elle m'a rien donné, à part un barbeau. Donc celle-ci, je vais la déplacer, je vais la pousser 5 mètres plus loin, donc en dehors de la fosse, juste sur les bords. On sait jamais qu'elles ne rentrent pas dedans, qu'elles font que l'allonger pour aller dans la grande partie de la Meuse. Et ici, celle que j'ai mis au plein milieu du petit canal, je vais la mettre donc vraiment ici, on a juste donc derrière moi, le passage des bateaux. Et donc je vais vraiment pêcher dans ce sens-là, vraiment une pilasse vraiment au bord. Donc là ici j'ai amorcé du matin. Je pense que la canne je vais pas la placer avant début voire milieu d'après-midi pour laisser le poisson rentrer et qu'il s'alimente en toute sécurité, je veux dire. Et donc voilà, donc j'espère pouvoir sortir mes bonnes cartes pour la dernière nuit qui me reste et la journée de demain. Et puis voilà, on se retrouvera s'il y a du poisson. Eh ben dis donc, tu fais bien chier toi. Voilà, on arrive donc sur la fin de la session. À part les deux poissons le premier jour, je veux dire niveau carpe. Sinon, restant la session, ça sera tout ce qui est chevesne et de la brème. J'aurais fait un barbeau également, mais le premier jour. Donc ça, vous l'avez en vidéo, en début de vidéo. Pour le reste, ça a été très très calme. J'ai quand même essayé de changer plusieurs fois de place, sauf évidemment la canne qui m'a donné du résultat niveau car. Mais voilà, ça n'a rien donné. Après, ça reste une pêche assez compliquée quand même, parce que si j'ai pas le Zodiac, donc je peux pas me déplacer où je veux sur l'eau, aller déplacer mes cannes, donc je reste quand même dans une zone assez restreinte. Pareil pour niveau sonder les fonds. Je savais qu'il y avait une fosse ici devant, donc j'ai pris ma canne à sonder. Mais voilà, vous savez très bien que c'est pas pareil, la canne à sonder et un éco-sondeur, ça c'est clair et net. Ici d'ailleurs, je recommande donc une batterie aujourd'hui pour pouvoir de nouveau réutiliser le Zodiac, et je commande également un nouveau éco-sondeur plus performant que celui que je n'avais. J'ai quand même accusé quelques casses niveau donc des fils, pourtant j'avais des arrachés. À chaque fois je mets entre 10 et 15 mètres d'arrachés quand même en tresse. Le problème c'est que c'est vraiment bien encombré niveau pierre dans le fond. Donc en fait ça cassait au-dessus de l'arraché. Donc ici, moi j'étais focalisé pour toujours pêcher au nylon, pour qu'il y ait quand même une élasticité et qu'on ne bride pas le poisson en permanence. Et au final, j'ai quand même eu donc des casses comme je l'explique. Et ce qui m'emmerde vraiment, c'est que du coup il y a des poissons qui se traînent avec une leste d'arraché derrière, et honnêtement c'est pas du tout le but recherché. Ça me fait vraiment chier, honnêtement, je le dis comme ça. Donc voilà, ici je pense repasser en tresse full sur mes moulinets pour quand je fais du public. Donc si vous avez une très bonne tresse à conseiller, assez discrète, vous pouvez me la mettre en commentaire. Je suis vraiment preneur de ça, parce que voilà, j'ai plus envie de casser et de laisser des montages dans la gueule des carpes comme ça quoi. Après, autre difficulté aussi pendant la pêche, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de bateaux qui passent. Donc les cannes, je ne pouvais pas non plus les mettre n'importe où. Je peux bien mettre des backleads, mais il y a des endroits où c'est pas assez profond. Et même le backlead, avec le remous de l'hélice, le montage est parti avec aussi. Donc ça a ajouté quand même vraiment une difficulté au niveau de la pêche. Quoi. On peut voir, il passe quand même assez rapidement. Donc il remue vraiment tout le temps, tous les fonds. Donc l'amorçage déjà ne reste pas en place. Donc c'est vrai, je pense que c'était vraiment une difficulté en plus. Parce que des bateaux comme ça, j'en avais, à mon avis, 10 par jour quand même qui passaient quoi. Et donc voilà, maintenant on va commencer à replier tout doucement. On laisse les cannes jusqu'au dernier moment, on a toujours l'espoir. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu.
Si vous avez de nouveau des remarques, soit constructives, en négatif ou positif, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On en apprend tous les jours, il faut s'améliorer sans cesse. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, mettre un petit pouce bleu, ça vous coûte rien et ça fait super plaisir quand on voit qu'on est suivi et que ça, les vidéos elles plaisent. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être directement averti en mettant la petite cloche évidemment d'une prochaine vidéo qui sortira. Ici, prochaine pêche, ce sera dans un étang. Je ne pense pas que je ferai une vidéo là-dessus. Bon, dans un petit étang, c'est peut-être pas forcément intéressant. Mais si vous voulez suivre, ça se passera sur ma page Facebook. Je mettrai en story et des publications de tout ce qui se passe là-bas. À bientôt.